Venons, Monsieur le Président, on ne se taira pas. On ne va pas céder à l'intimidation. On ne va pas se faire dire, lorsqu'on pose des questions sur l'immigration, qu'on souffle sur des braises. On ne va pas se faire dire, lorsqu'on parle des mauvaises politiques du ministre de la Santé, que notre éthique est en jeu. La question qui est posée aujourd'hui, c'est qu'à cause des politiques du ministre de la Santé, les Québécois qui se présentent dans les pharmacies au Québec sont servis par 1 000 personnes de moins, des techniciens, des infirmières, des pharmaciens qui ont perdu leur emploi au cours des derniers mois. Aujourd'hui, à cause des politiques du ministre de la Santé, il y a des portes closes, 6 heures de moins dans la moitié des pharmacies du Québec à cause de lui. Peut-il aujourd'hui garantir aux Québécois de toutes les villes, villages et quartiers qu'il va arrêter de nuire à l'accès aux pharmacies? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je pense que le député de Rosemont fait référence au résultat d'un sondage qui a été exercé par l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires auprès de ses membres dans un contexte qui était celui de l'évolution de nos négociations et le contexte, évidemment, qui est celui du projet de loi 81. Le contexte, Monsieur le Président, pour ce qui est du point précis du sondage, fait référence à l'entente que nous avons signée avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, entente qui prévoit un déplafonnement des allocations professionnelles, allocations professionnelles que certaines personnes appellent des ristournes. Bien, dans cette entente-là qui a été signée au moment où on se parle, stipule qu'il y ait de la part des pharmaciens propriétaires un remboursement à l'État d'un une certaine quantité d'argent, qui est substantielle évidemment, c'est une entente qui a été signée, et qui demande en contrepartie qu'un règlement soit mis en application. Le règlement a été publié, il vient de terminer sa période de publication. Nous en sommes à en faire l'analyse, évidemment, ça doit être fait, cette analyse-là. Terminant. Et évidemment, nous allons y donner suite pour respecter les paramètres de notre entente. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Hier, le ministre de la Santé parlait de faute morale. Il vient de dire qu'il avait, conclu une entente avec les pharmaciens par laquelle les pharmaciens devaient rembourser des sommes importantes, mais pour ne pas fermer, pour ne pas réduire leurs heures d'ouverture, il allait, lui, déposer un règlement pour permettre une arrivée de fonds. Il a mis 7 mois avant de déposer le règlement. Le règlement est maintenant sur sa table de travail. Il prend encore des semaines avant de l'accepter, et donc les pharmacies ferment. Je suis content, Monsieur le Président, que le député de Rosemont vienne concéder le fait que je suis la procédure qui est prévue dans nos ententes et dans notre réglementation. Il a raison, là, le député de Rosemont, de dire ce qu'il vient de dire. On suit la procédure. On la suit. Maintenant, Monsieur le Président, le député de Rosemont fait référence, par exemple, à la fermeture de pharmacie. Bien, une des fermetures de la pharmacie, je la connais très bien, elle est du patelin d'où vient le député de Rosemont lui-même. Alors, on sait très bien, par exemple, que cette pharmacie-là n'a pas fermé à cause de la négociation, mais le propriétaire devant la vétusté de son immeuble a fermé l'immeuble qui a entraîné la fermeture de la pharmacie. Voilà une utilisation particulière de données factuelles. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Comme ça arrive très souvent, le ministre est mal informé. La pharmacie dont il parle n'est pas dans mon patelin et je ne l'ai pas cité. Ce qui est vrai, par exemple, c'est qu'il avait promis qu'il y aurait 50 super-infirmières par année de plus grâce à lui. Il en a viré 16 à cause de son retard planifié de faire en sorte que l'entente soit mise en œuvre. Et il se traîne les pieds volontairement et ça réduit l'accès aux pharmacies partout au Québec. Quand cessera-t-il de nuire à l'accès à la santé au Québec? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je ne sais pas si la députée de Rosemont est en question complémentaire ou en question principale, puisqu'il a changé de sujet. Je suis déçu qu'il ne considère pas la ville voisine de son patelin, son quasi-patelin. Moi, je peux vous dire que d'où je viens, là, je peux dire que je viens d'une région, puis je peux en parler très librement, puis j'en parle avec fierté. La réalité, Monsieur le Président, est à l'effet que la pharmacie en question, par exemple, a fermé pour cause de vétusté et décision du propriétaire de la fermer. En ce qui a trait à l'entente qui a été signée, nous respectons les procédures. Nous allons respecter notre entente, évidemment.
et nous n'allons pas créer des circonstances qui vont réduire les services au Québec en pharmacie.